Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fil Éco, le dernier de la saison. Nous nous trouvons à Guyancourt, dans le nouveau siège d'une entreprise fondée en 1995 et qui met l'accent sur le bien-être de ses employés. Bonjour Stéphane Blanc. Bonjour. Vous êtes le président d'Antemeta, une société d'informatique. Une première question, quel est le cœur de votre métier ? Alors, l'informatique, mais dans l'informatique, c'est vaste. On est spécialisé dans le stockage de données et un peu, effectivement, les serveurs qui sont autour de ces systèmes. Alors, vous avez plus de 800 clients, principalement en France, mais aussi à l'étranger. Ce sont principalement des moyennes entreprises. Vous avez une relation privilégiée avec eux parce qu'en fait, vous avez des données très précieuses. La donnée, c'est stratégique. Quelle que soit l'entreprise aujourd'hui, que vous ayez 1 téra à gérer, 10 téra ou 1 péta, la donnée est stratégique. Expliquez-nous en ordre de grandeur, téra, péta, parce que... Alors, méga, giga, téra, péta, voilà, 1000, puissance 1000, et vous allez jusqu'aux zeta. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans le cloud computing, voilà, on parle en zeta chez vous, donc, ou chez nos clients, nos PME, on parle plutôt en téraoctets, voilà, 1000 giga. Il y a des données confidentielles ? Il y a des données, une entreprise a des données confidentielles, oui, des données de gestion bien sûr, mais également des données, on va dire, de gestion commerciale, gestion administrative. Alors comment est organisé Antemeta ? Il y a des commerciaux, des ingénieurs, combien de personnes travaillent avec vous ? Alors Antemeta, c'est 124 personnes, 70-80 ingénieurs. Le reste, c'est de l'administratif et du commercial. Alors, comment fonctionnent tous ces collaborateurs entre eux hein, pour pouvoir servir au mieux les clients ? Alors, on va dire qu'on a une partie très classique, hein, une partie avant-vente, qui, avec les commerciaux, design les architectures de nos prospects et de nos clients. Puis une partie chef de projet qui, eux, vont déployer ce que l'on a designé pour ces clients. Et puis, en dernier, nos techniciens de maintenance qui, eux, vont maintenir en condition opérationnelle les infrastructures qu'on a mis en place. Alors, vos clients, vous stockez leurs données, mais vous assurez aussi la maintenance de ces données. Est-ce que c'est essentiel parce que ce marché est très concurrentiel ? Alors, à la fois, effectivement, pour des logiques concurrentielles, mais surtout parce qu'on a la responsabilité de l'architecture qu'on met en place pour nos clients, du design qu'on en fait, du déploiement. Et donc, on ne souhaite pas laisser à un tiers la responsabilité de la conduite en conditions opérationnelles. Quelqu'un qui achète une infrastructure de stockage aujourd'hui associée à de la virtualisation, il achète ça entre 3 et 5 ans. C'est des budgets qui sont quand même relativement conséquents. Mais en tout état de cause, là maintenant, c'est stratégique. C'est un acte de vente de maintenir les infrastructures qu'on met en place. Voilà. Alors on est ici dans votre nouveau siège, on le disait, à Guyancourt. Votre entreprise est en pleine expansion, un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Ce siège fait plus de 3400 mètres carrés. Il est aux normes HQE, BBC. C'était important, nécessaire à vos yeux de faire un siège aux normes environnementales ? Je n'imaginais pas aujourd'hui construire un bâtiment industriel sans être dans cette logique de normes HQE, BBC. En plus, l'industrie de l'informatique est quand même fortement consommateur d'énergie, d'ordre de 3 centrales nucléaires françaises pour la consommation de tous les systèmes d'information en France. Ça représente quand même quelque chose d'important. Donc, je ne sais pas, en tant que patron, on se doit aujourd'hui, ou en tant qu'individu, je dirais qu'il n'y a pas que... on se doit d'être attentif à l'empreinte énergétique qu'on met en place. Donc. Mais concrètement, combien ça coûte pour un chef d'entreprise ? Est-ce que vous avez des aides de la communauté d'agglomération, par exemple ? Non, c'est autofinancé. Non, ça coûte, on va dire, 10% de plus qu'un bâtiment, entre 10 et 15% de plus qu'un bâtiment traditionnel. Alors, on parlait du cloud computing il y a un instant. On va en savoir un petit peu plus avec un de vos collaborateurs, Ronan, qui va nous expliquer en détail ce concept qui contribue largement au développement d'Antemeta. Nous sommes avec Ronan Daquet, responsable commercial de l'activité cloud. Bonjour. Bonjour. Alors, derrière vous, on voit plusieurs écrans. À quoi servent tous ces écrans ? Alors, ces écrans nous servent à surveiller, monitorer les infrastructures que nous avons en infogérance, donc dans notre cloud, des différents clients qui sont aujourd'hui clients d'Antemeta. Donc des clients dans le monde entier ? Des clients qui ont des sites, des clients essentiellement français, mais qui ont des sites partout dans le monde. Ça peut être aussi bien à New York, voire à Shanghai ou Hong Kong. Et donc le cloud computing, ça permet quoi en fait ? Une maintenance 24 heures sur 24 ? À quoi ça sert exactement ? Alors le cloud, c'est avant tout une autre manière de consommer l'informatique.
C'est un peu comme vous, vous consommez aujourd'hui de l'électricité. Aujourd'hui, les entreprises peuvent consommer de l'informatique à la demande. Donc aujourd'hui, nous pouvons mettre à disposition une puissance, du stockage à la demande. Le client va uniquement consommer et sera facturé de ce qu'il a consommé. Donc quel est l'avantage pour un de vos clients, par exemple ? Alors pour nos clients, c'est un avantage énorme, déjà en termes de souplesse, de flexibilité. On a cité tout à l'heure des clients qui étaient implantés dans le monde entier. Ils peuvent décider du jour au lendemain de s'attaquer à un nouveau marché. Grâce au cloud, ils peuvent mettre en place un bureau commercial, potentiellement, très très rapidement, à l'autre bout de la planète. Mais c'est révolutionnaire, ce système, c'est l'avenir, en fait ? Alors, effectivement, y a un sérieux engouement sur le cloud computing. Aujourd'hui, on a des données qui nous disent qu'une entreprise sur deux en 2013 aura tout au moins une partie de son infrastructure sur le cloud computing. Donc ça veut dire qu'une PME dans l'informatique qui ne développerait pas le cloud computing mettrait la clé sous la porte dans quelques années ? Alors, effectivement, sur le marché de l'informatique, ceux qui ne prennent pas le virage du cloud, soit sont sur des niches, et dans ce cas-là pourront peut-être survivre, mais aujourd'hui, chaque entreprise de l'informatique doit sérieusement penser au marché du cloud computing. Toute cette installation du cloud computing ici à Antemeta, ça représente quel investissement ? Alors, depuis 4 à 5 ans, la société a investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour développer cette activité de cloud. Et alors, quelle retombée sur le chiffre d'affaires ? Alors, les objectifs à 3 à 5 ans sont de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros en 2015. Alors, Antemeta présente une santé économique plutôt bonne. Il y a une autre entreprise basée à Manille-et-Hameau qui aimerait se développer de la même manière, mais qui n'y arrive pas car elle peine à recruter. On regarde ensemble ce reportage. De crise, la crise. Une crise au sein de la zone euro. Une crise. Une crise. C'est le paradoxe de cette crise. La crise est partout et pourtant elle ne semble pas toucher Verdeco, une PME manicoise qui affiche un chiffre d'affaires de 4,7 millions. Mais l'entreprise rencontre un autre problème, elle peine à trouver de la main-d'œuvre. On n'a pas de problème financier, c'est une entreprise qui se porte bien. On a une progression de chiffre d'affaires de 5 à 15% suivant les années. Par exemple, l'année dernière, en 2011, on a fait 13% d'augmentation de chiffre d'affaires. L'enseigne crée et entretient des paysages extérieurs et intérieurs pour les entreprises et les particuliers. Et elle possède aussi deux boutiques de fleurs en ville et un bureau d'études. Et comme si cela ne suffisait pas, tout le monde est en CDI. Un ouvrier paysagiste débutant gagne entre 1400 et 1800 euros net et il a la possibilité de piquer une tête entre deux commandes. Mais malgré cela, impossible de recruter. On met en place des annonces, hein, Pôle emploi, les écoles, notre site internet. Mais par exemple, on cherche un chiffreur-mettreur pour nos devis, pour construire un peu nos devis, on n'a pas de CV. Et maintenant, les formations vont aller au-delà des postes de jardinier sur le terrain et on va trouver plus facilement des postes d'encadrant que des postes d'ouvriers sur le terrain. Le gérant de Verdeco commence à s'impatienter. Il recherche 5 personnes pour permettre à son entreprise d'évoluer. Mais si aucun ouvrier paysagiste, fleuriste, chiffreur-mettreur ou responsable de production ne viennent à lui, c'est lui qui ira vers eux. Les solutions elles sont multiples. C'est soit on essaie de trouver des gens qui ont peu d'expérience et on va les former tout au long de leur carrière pour les faire évoluer dans le métier. Donc ça, c'est une solution qu'on est en train de travailler de manière beaucoup plus forte que les années précédentes, ou alors retrouver des gens qui veulent changer de métier et donc qui sont attirés par le métier de paysage. Et on a quelques personnes qui sont en reconversion professionnelle dans notre entreprise. Le cas d'Olivier Bédouel n'est pas isolé. Les métiers du paysage vivent une profonde mutation et les demandes en recrutement sont fortes. Entre 2008 et 2010, le nombre d'entreprises du paysage a augmenté de 31%. Retour dans Fileco depuis le siège d'Antemeta à Guyancourt, une société spécialisée dans l'informatique. Stéphane Blanc, est-ce que vous aussi vous rencontrez des difficultés à recruter des bons éléments ? Je ne peux pas vous dire le contraire, bien sûr. Même si, effectivement, on a la chance à Guyancourt d'avoir l'université de Saint-Quentin qui n'est pas très loin. Et puis, effectivement, un certain nombre de pôles qui sont en train d'émerger autour, à Orsay et consorts. Oui, mais c'est un vrai sujet, l'embauche de nouveaux collaborateurs. Alors prenons l'exemple des commerciaux qui, chez vous, doivent avoir une formation de commercial, mais qui doivent aussi avoir des connaissances très pointues en informatique.
Oui, très difficile d'être commercial chez Antemeta. Mais alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, vous allez recruter des personnes qui ont une formation de commercial et ensuite les former sur le tas avec des ingénieurs qui vont discuter. Comment ça se passe? On cherche plutôt des profils techniques qui sont dans une démarche d'aller vers le commerce. Alors, on le disait, Antemeta, c'est 120 salariés. Et ici, dans ce siège, les salariés ont la chance d'avoir notamment une salle de sport, un billard, même une salle de sieste. Alors, pourquoi tout ça? Je pense qu'on a une pression qui est quand même relativement importante. Je vous le disais tout à l'heure, on déploie quand même des infrastructures relativement complexes et la gestion des données de nos clients est stratégique. On n'a pas le droit d'arrêter une production. Donc vous imaginez qu'il y a un niveau de stress qui est quand même relativement conséquent aujourd'hui. C'est vrai que c'est une démarche à laquelle on ne s'attend pas vraiment en France. On s'attend plus à cela dans la Silicon Valley par exemple. Oui, j'ai pas ramené ça. Non, je pense que c'est naturel, c'est normal. Aujourd'hui, encore une fois, quand on conçoit un bâtiment, aujourd'hui nouveau HQE BBC, on essaye de le concevoir également dans une logique où ses collaborateurs vont bien se sentir. Antemeta est en plein développement, on le disait, un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros, un nouveau siège ici à Guyancourt. Jusqu'où irez-vous? Je pense que le cloud computing, effectivement, est un axe de croissance. Je ne suis pas un féru de la croissance externe. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien avoir une croissance organique. Je pense qu'à 3 ans, notre activité peut faire de l'ordre de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on frôlera à ce moment-là les 180 personnes, oui. Ce sont des chiffres qui peuvent faire tourner la tête de certains chefs d'entreprise dans une période de crise. Alors oui, vous êtes sur un marché plutôt porteur, celui de l'informatique, mais quel est votre secret ? L'écoute. L'écoute de nos clients, je pense que c'est vachement important d'écouter les clients aujourd'hui. Si on écoute les clients, ben on peut relativement se projeter sur leurs besoins et à ce moment-là anticiper et mettre en place la stratégie en adéquation. Merci beaucoup Stéphane Blanc de nous avoir reçus dans votre nouveau siège ici à Guyancourt. C'est terminé pour ce numéro de Fileco qui était le dernier de la saison. Je vous donne rendez-vous en septembre pour toute l'actualité économique de notre territoire.